Salut tout le monde, cette fois je vous le jure, ça sera pas une vidéo de merde. Donc ces gamins là, je vais les massacrer quoi. Ils m'ont tellement saoulé. Je vais faire un gaminicide quoi, putain. Non mais c'est vrai, en plus dans les RPG c'est tout le temps des gamins qui viennent nous faire chier là. Alors, je vous dis, ça va être le massacre. Ils m'ont trop saoulé là. J'ai une équipe de merde, je vais quand même les massacrer quoi. Donc en fait celui du haut, il soigne les autres. Et comme vous voyez, il craint la glace. Donc nous on craint quasiment pas les éléments. Donc on s'en fout. Bon ça, les chocobos machin là, ça sert à rien du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais quel connard. Vous voyez, ça sert à rien. Donc même si j'ai un perso qui fout rien cette zère. Et Umaro qui est incontrôlable, je vais quand même les massacrer parce que je m'en trop saoulé. Donc en fait, pour info, celui du haut, son soin, bah en fait, c'est en fonction de ses points de vie. Donc il a environ 15 000 points de vie, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme. Et il soigne en fonction de sa vie. C'est-à-dire, s'il a 15 000, il soigne 15 000 à tout le monde. S'il a 10 000, il soigne 10 000 à tout le monde. On peut pas soigner depuis 9999, mais... vous avez compris quoi. Moins il a de vie, moins il soigne. Il faut le tuer en premier parce que si on bute un autre, il lance V2 et il ressuscite à fond. Donc là vous voyez, ça veut dire qu'il a 219 points de vie, le gars. Alors il va bien souffrir quoi. Nous on s'en fout, les éléments ça nous fait rien. Quasiment. Voilà, et de 1. Donc là ils peuvent plus nous ressusciter. Donc l'autre, vous voyez qu'il absorbe la glace, là, à gauche. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il craint le feu. Donc je... feu 2, ça suffit, en fait. Putain, mais ça nous fait rien, leur connerie. Et voilà. Donc, je vous dis, c'est un massacre. Et mon fléché... Bon, ok, c'est moi qui étais con à chercher Sianar qui était pas là, mais... trop fait chier, là. Je vais finir à l'arme. Et voilà. Ça c'est un massacre en beauté. Donc je pense que les droites ils craignaient la foudre, hein, comme l'autre c'était glace et feu. Donc là on rentre. Vous entendez un bruit de train. Et oui, c'est le train fantôme. Donc, vous rappelez, hein, Sian sa famille s'est fait emporter par le train fantôme. Que je cherche. Putain, je vais pas encore me perdre comme un con. Je peux pas, ouais. Faut peut-être attendre. Je me rappelle plus du tout ce passage. Je me rappelle qu'on se retrouve avec des robots à un moment. Comme au début du jeu. C'est pour ça que j'ai pris Terra, parce que Terra elle a des trucs spéciaux que les autres ont pas en robot. Donc là je vous dis, c'est chaud. C'est pas une expression. Vous allez voir, ça c'est chaud. Putain, mais. Donc, ça, on va le récupérer. Vous allez voir. Ah non, il fait ça lui en plus. C'est une saloperie ça. Avec Illumina, laisse tomber quoi. Les dégâts quoi. Elle a pas besoin de magie, elle attaque, elle les défend. Putain, c'est un truc de barjo quand même. Attends, on va pas se faire tout le train non plus. Oui. En fait, c'est du, c'est comme voir le passé un peu. Ah, le truc qui paraît pas louche, c'est une manette violette en plein milieu des autres trucs. Ah, je me rappelle de ça. Ouais, il se déplace en même temps. Je me rappelle de ça. Ça, je m'en suis rappelé maintenant. Alors. Allez, au pif. Oui.
Ouais, il fait des dégâts de merde maintenant, hein. Il est en truc. Ah. La Goumar se rend de la merde parce que ça sonne rien. Mais ça enlève même pas les altérations d'état. C'est abusé quand même. J'aurais dû prendre Sabine. Elle, elle a pas lutin. J'ai oublié. Donc de toute façon, tous les trucs élémentaires, Humaro ça le soigne. Oh putain, il fait aussi mal en lutin qu'en normal avec son attaque. Bon, Humaro ça le soigne, et les autres ça leur fait... même pas 500 quoi. Ah parce qu'il y a aussi un truc là, j'ai même pas vu. Ah ouais, là faut se manier de faire le tour avant que le truc se remette. Ok, ok. Ah, il m'en faut du temps pour comprendre. Donc là, voilà, si vous avez Mog avec son truc pour éviter les ennemis, c'est tranquille, hein, le truc, quoi. C'est... les énigmes sont assez tranquilles, on n'a même pas besoin de... se taper les combats, parce que là le temps de faire le combat tu te rappelles même plus que tu dois te brouiller. Voilà. En fait il n'y a que Terra qui est utile. Enfin il mord un peu. Zer il sert à rien, il peut retourner jouer au cartes parce que là il est d'aucune aide quoi le truc. Oh, c'est quoi ce truc de bâtard? C'est impossible! J'ai pas le temps putain. Putain, mais c'est un truc de vrai connard. Oh! Putain, je pige plus rien. Qu'est-ce qu'il nous fait? Mais on a jamais le temps de faire ça. Là. Voir les combats ça compte dans le temps. Alors ça sera encore plus bâtard quoi. Donc là je peux même plus retirer la manette, je comprends pas. Eh mais attends mais il est encore. C'est quoi ce délire? Il est encore là le coup. Enfin, c'est moi qui ai une illusion là ou. Pourtant j'ai vu le truc bouger. Bon. On va dire que je suis con. Putain, j'ai faim en plus avec ces conneries. Alors là je vais péter un plomb, tout ça pour cette merde. On en a déjà, on s'en fout. Oula. C'est quoi ce dé? Je me rappelle plus du tout ce que c'est ça. Je te dis, je me rappelle du scénario principal, ça je le connais quasiment par cœur. Alors les quêtes annexes... je m'en rappelle pas trop trop quoi. En fait c'est celle-là que je m'en rappelle le moins. Celle-là avec Odin je m'en rappelle à cause de Tombéry. Celle de bah de Hidon, bah. C'est pas très long en même temps. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire putain de merde? Et me faites pas chier, putain. Oh qu'ils sont casse-couilles. Mais mon dieu quoi ça. C'est vraiment casse-couille. Hein. Enfin, si je découvre qu'il y a un Gilles ou des conneries comme ça dans le... c'est un truc super super simple. Est-ce que c'est un rapport avec ce coffre là, con? Lui on peut pas le fermer ni ouvrir. Attends, il doit y avoir un truc là-dessus. Ok, génial. Ça doit être pour plus tard. Et puis on s'en fout du coffre, on l'emmerde. Putain, ça a duré longtemps ces conneries en plus. Hein.
quoi. Et ouais, ça a changé quoi là, le truc? Ça sert à rien ça. On peut déjà passer. Ah ouais, vachement utile. Ouais. Faut sûrement soulever l'autre. Enfin. C'est bâtard, on peut plus passer, comment on prend l'autre? Attends, il doit y avoir un truc. Justement, on passe par là. Et allez, ça continue. Ah, c'est chiant ce genre de truc. Hein. Comme quoi, quand il n'y a pas le scénario, quoi, c'est. C'est vraiment casse-couille. On crève, crève et fais pas chier, crève. Ils spawnent l'enfoiré. Ah voilà. Bon. Ah mais il y a un coffre là, j'avais pas vu. Ouais, génial. Ouais, voilà. Donc là, faut refaire comme avant. Si je me trompe pas, c'était ça. Voilà. Donc le coffre de là-bas, aucune idée comment on le prend. Mais de toute façon, c'est de la merde à tous les coups. Et même si c'est pas de la merde, je m'en fous. Parce que ça me saoule. Une petite tente. Ça sent pas la tente de Humaro. Bon, ça fait un peu Yeti PD avec l'étoile, mais voilà quoi. Enfin, j'ai rien contre. Hein. C'est une expression, bien sûr. Oh putain. Je me rappelle plus du tout de la truc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et on va se retrouver avec le vaisseau. Enfin, les trucs. Voilà, c'est ça. On retrouve Sian. Bon, en fait, il fait du bordel, mais on s'en fout, quoi. Et là, vous allez voir, ce qui est assez marrant, c'est que Terra, vous vous rappelez, au tout début du jeu, avait pas les mêmes trucs que les autres. Et là, voilà, elle retrouve les trucs qu'elle avait en fait. Bon, Humaro, il est toujours incontrôlable par contre. Mais voilà, on est toujours invincible. Ah, en plus, ça me soigne avec les équipements. Donc voilà, ouais, je peux toujours faire ça quoi. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre Terra quoi, ça peut toujours servir. Le problème c'est Humaro ouais, qui fait ses. Qui joue tout seul, du coup il peut soigner les ennemis s'il prend le mauvais élément, etc. Enfin bon, je crois pas trop. Donc là les combats sont moins chers, hein, comme c'est plus facile. Est-ce qu'il y avait pas un truc ça. Cet endroit ça me rappelle un. Tu
qu'il n'y avait pas une énigme avec un coffre ou je sais pas quoi ici. Ouais, je pense que je rêve. J'ai dû péter un plomb. On comprend pourquoi. Hein. Ça fait tellement chier. Bon, je vous rassure, le boss, hein, on va pas le combattre en armure. Pourquoi je lui lance soin, l'autre con. Allez, tiens. Voilà, d'ailleurs, je sais pas si vous entendez encore le son. Je remonte un peu. Ouais, c'est linéaire, comme vous voyez. Ah, ben voilà, je me rappelle ce que c'est linéaire. C'est qu'on tourne en rond, en fait. À moins que ça soit une impression. Ouais. Donc là elle a ça, donc voilà. À mon avis c'est la foudre la plus efficace. Ouais. Enfin ça, ça doit être mieux quand même. Yes. Oui, pourquoi Terra c'est très intéressant quoi. Et voilà. Elle a bien mouché. Donc, je vais faire un durer un petit peu la vidéo parce que j'aimerais bien quand même arriver devant le boss au début de la prochaine quoi, pas devoir me retaper tout un truc. Putain, est-ce qu'on va faire le tour 300 000 fois là ou on verra. Bon, faut peut-être retourner en arrière après ou un truc comme ça. Enfin, c'est marrant, le gars sans Yeti fait que des trucs de blast. Pourquoi je fais ça? Ah, il est pas mort. Ouais. Bah non, c'est logique. Bon. On va se barrer. Ah, comment ils sont. Ça, j'ai jamais vu la fuite en un truc. Je vous l'avoue. Première fois là. Et alors voilà la deuxième. Ah, c'est marrant parce qu'ils courent quand même ouais, dans leur vaisseau quand ils font du surplace. C'est quoi, on dirait des vélos d'appartement. Ouais, c'est cool. Bon, vous savez quoi. Je vais vous laisser là. Parce que je vais pas vous faire chier à tourner en rond pendant 5000 ans. Donc à la prochaine vidéo. Salut.